Bonjour, on est parti pour le 26e épisode sur Darkest Dungeon et on va se faire un petit donjon pour augmenter notre Hélion et notre Lépreux. Donc un petit donjon niveau 3 en short, c'est parti. Comment je me le fais? Ah, on va se le faire en mode... non, il n'y a pas besoin de trucs de poison là. En mode farming, voilà, allez, c'est parti. Farming et XP. Il faut que je les augmente, hein, parce que bon, il y a vraiment que le Hélion et le lépreux. J'ai besoin de faire monter niveau 6. Allez, on y va. To prosecute our war against the swine, allez, marrant. First scout their squalid homes. Ah bah ça c'est. On prend, hein, ça permettra de soigner nos personnages. Une belle petite trappe, tranquillou, il a résisté. Allez, un scouting. Non, on va faire le tour. Hein. C'est parti. Ah, ça enlève un état. J'avais ça. Non, ça me. Je sais plus si ça enlève un état, si ça met un buff. Il y a rien. Ah bah non, c'est des loot, ok. Allez, deux de trappe. Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Théoriquement, il devrait aller vite celui-là. Ah, un petit scouting. Tout ça pour voir qu'on va utiliser une pelle. Il y aura deux pelles à utiliser. Ok. Ah, il mange pas beaucoup. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ok, on continue, on va avoir notre premier... ça c'est pas terrible je crois, peu importe ce qu'on utilise, je m'en rappelle plus. On va zapper. Allez, combat. Un petit coup de vomi. Ouah, 34. Allez, mange. Ah, ça le fait moins là. Et ben, allez hop, tu joueras pas toi. Non, je crois que c'est le dodge. Ouais. On le fait pas souvent ce coup là. Bim. Bah oui, forcément il va jouer. Non. Allez, hop. On y va. Allez, il fait nuit. Darkness holds dominion. Black as death. Bon bah, oh là là, bah du stress. Ah bah super. Avec mon groupe de moisis là. Ça par contre, ça va être un peu chiant. Oh joli. Ah, on peut faire ça, dis donc, okay. C'est nice, hein. Allez. Voilà. Donc, on refait le groupe. Voilà. On y retourne. Ça, on y... Ah. Ah d'accord, oh, c'est pas mal. Du coup. Allez, surpris, on les a surpris, ça c'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Ouais, critique, double critique.
Lui, tu auras pas grand chose à chaque fois. Ouais, on va tuer lui. Oh, joli! Il va jouer en premier. Voilà, forcément. Allez hop! Ça se passe bien! Un heirloom. Hop, allez, à moi tous les loots! Ah, la dodge. Ah! Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Bon, ça va, à part le lépreux qui est en stress total, franchement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ah, bah tiens, ça faisait longtemps. Dommage. Allez, esquive. Bim. Cool, il a touché. Ah, je savais pas que lui pouvait reculer de deux. C'est intéressant. Oh là, putain, il a loupé aucun coup, hein. On va te remettre où t'étais quand même. Ah, oh, les bouquins de malheur. Jamais de la vie. Bon, théoriquement on a fini, mais hein, on pousse toujours au maximum. Alors qu'y a-t-il dedans? Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. On sait jamais, hein. Ah, mais il me, hein? Voilà. Les vomitos, ils m'embêtent à jouer constamment. Ouais, bon, lui, ça a rien. Bon, ils vont jouer tous en premier. Oh là là, les critiques de merde. Comment augmenter le stress d'une team. Allez. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. On continue. Il ne reste plus qu'en bas. On va utiliser la pelle. Ah, et puis il y avait qu'un bouquin, donc on peut se barrer. Et voilà. Impossible. Oh là. C'est pas fou, once, hein. Our estate was the envy of this land. Alors ici on va mettre, si je peux mettre les deux, ouais, nice. Voilà, là, on va mettre lui pour qu'il vire. Oh la vache, tout ce qu'il a lui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va directement partir, oh ça peut m'intéresser ça. Avec la team... euh...
partir avec eux. Ça va être du rapide. Ouais, avec eux, allez, c'est parti. Là, c'est le premier donjon. Allez, sans torche, parce qu'on le tente, c'est un médium, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Surtout que c'est avec notre team. There is power in symbols. Qu'explose. Collect the scattered scraps of faith and give comfort to the masses. Ah, faut trouver les reliques. D'accord. Donc voilà, hein, ça calme direct. Obliterated. Ah bah t'as loupé, c'est dommage, je vais mourir. Un peu en manque de critique, hein. Ouais, pas mal, hein. Non, ça en prend pas. Je sais plus ce que ça fait, mais c'est pas terrible, je crois. Ah, scouting. Un piège. Deux pièges. Allez, bon, les reliques, le problème c'est que ça va prendre de la place. Voilà, tout ça, il y en a une là-dedans. Ah, t'aurais pu faire la même quand même. Là, je suis déçu. Franchement déçu. On va tuer lui. Ouais, avec leur truc là, c'est une horreur. Bon, on va tuer lui du coup. Il évite de toucher. Oh, il est presque mort, je suis dégoûté. Allez, dodge. Bon, on va te finir. Ah bah, il va pouvoir jouer, c'est ça, voilà. Histoire de... Ah non, petit coup de dague. Allez, bim. Vive les critiques. Ah, c'est une reliquary. Donc en fait, il y a la relique dedans. Bon, on va aller là-haut. On va faire ça. Ouais, on va aller en haut, on va aller à gauche. Ah, ça marche plus les critiques, c'est nul. Ah merde, il l'a pas tué. Ça, c'est nul par contre. Ah, oh la vache, les dégâts quoi, mais. S'il vous plaît. Bon, il fera plus ses 100 000 de dégâts. Justement. Bon, lui il est remonté. Et lui il est mort. Bon bah... Comme si de rien ne s'était passé, hein. Ah, bonus de dégâts. Si on utilise une relique, je crois. Plus 30, ouais, c'est ça. Ah, ça va chier. Là, ça va chier. Surpris. Alors, on est déçu. Bim. Non, il n'arrivera pas à le tuer. Et toi, tu vas le tuer parce que voilà. Voilà, 11 quoi. Ah. Mais il fait 11. Pourquoi il est à 1? Parce que ça peut peut-être pas tuer comme. Non, si. Je sais pas, c'est pas grave. Allez, c'est quoi ça?
Locket sarcophage. Finding the stuff is only the first test. Ah. Now it must be carried home. Ah oui mince. On va virer ça, voilà. On va aller là. Par contre c'est pas fou là les... Voilà. Ah, on pourrait utiliser Fell. Tu viens Fell en prendre un peu. Qu'y a-t-il? Rien du tout. On retourne en arrière. Je sais pas où je vais faire mon feu de camp. Allez en haut. Ah bah j'ai jeté les herbes et j'en aurais eu besoin. C'est ça hein. Ouais, jeter les herbes. J'aurais dû jeter les antivenins. On continue. Ah, on va utiliser une torche. Haunting the hearts of men. Ouais, ça on s'en fout. Ah là, ça a bougé. Oula. Oh la puissance. L'avantage. Hop. Oh, ok. L'avantage c'est que ce personnage là. Ok, j'ai compris. Il faut que je vire tout là. Sans regarder quand même. On va prendre ça, on va prendre ça. Close. Toi tu reprends ta place. Ouais, c'est que le bouffon, quand il est même s'il est derrière. Hop, tout de suite il revient devant. C'est vraiment impeccable ça. Putain mais les dégâts qu'ils font eux, c'est hallucinant. Bon c'est bon, un de moins. Allez. Bon lui il va jouer du bouclier à mon avis. Ah non, Axe Blade. Coupé. Oh, il est presque mort, dégoûté. Bon bah là il est mort. Hop. Petit debuff dans la tronche. Et puis on le critique juste après. Côté stress, c'est plutôt zen. As victories mount, so too will resistance. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. On continue. Un petit sac. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Ah, ils ont faim. Alors. Ah bah c'est pas de l'anti-venin ça? Bah oui je l'ai plus. Allez hop. Un de moins. Waouh. Tiens, prends ça dans tes dents. Allez hop. Ah bah lui il va me faire son blanket fire. Ah ouais, plutôt énervé monsieur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez, prends ça dans tes dents. Hop. Oh les soins, il est vraiment énervé hein.
these nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ah mais je peux plus rien prendre. Putain mais la loose. C'est le problème. Il va falloir que je campe. Ouais, je pense que je vais redescendre et camper en bas. Voilà, on va aller par là. Et je vais camper en bas. Ce sera tranquille. Alors, campons. A spark without kindling is a goal without hope. Ça n'a pas marché. Bon bah voilà. Hop, on reste. Oh, c'est long. Ça pue. Voilà. Ah, une embuscade qui ressemble à une embuscade. Bon, qui a été un peu loupé, hein, mais This expedition at least promises success. Parce que bon, ils sont quand même tombés sur la team, hein. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ah, d'accord, super. Bonne ambiance. Ah, ils sont au taquet, hein. Là, ils sont vraiment à fond les ballons. Ah, alors voyons voir. On va déjà aller par là pour se rendre compte que c'est une table d'alchimie. Donc on va aller par là. Un petit sac. Le sac est vide. Ah! Un truc de relique? Bah voilà. Relica. Tiens, je savais qu'il y avait un pied. Quel sac! Oh bah un reliquat. Oh là là, un gros monsieur. Un gros monsieur vilain. Je sais pas ce qu'il fait de spécial. Ah oh ouais, tu vas soigner. Non mais c'est pas maintenant que tu dois faire des soins en carton. Ouch. Bon, on va lui bourrer sa gueule, hein. Vas-y, fais ton gobelet, on s'en fout. On a peur de rien, nous. Hop. Si vous pouvez le tuer là, ça serait sympa. Merci. Allez, un petit coup de soin. Hop là, 12. On est full. Et on le tue. Ça, close. Ah. Voilà, toutes les reliques. Donc on va aller voir ce qui se passe en haut. C'est pas terrible. Bon, ouais, je pense qu'on va se barrer. Non, c'est pas mal parce que bon, là, il y a rien. Bon, allez, quand même, on y va. Parce qu'il y a rien, ça nous stylise une pelle. Voilà. Jamais, il y a peut-être une salle au trésor à la fin. Allez, un petit scouting. Non. Bon. Voilà.
la petite boîte vide, ça fait plaisir. Et là, un petit dernier combat? Ah bah non. Bon, on se casse. Et voilà. Très rentable le donjon. Oh oui, plus que rentable. Ah, ils prennent du level. Ah, il n'y en a que deux. Pas mal. Ouais, ça c'est pas... I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Voyons voir s'ils ont des trucs à se faire soigner. Ah, ça c'est nul ça. Ça c'est très nul. On va virer ça. Et on va virer ça. Allez, c'est parti. De toute façon, je pense que le prochain donjon qu'on va faire, c'est on va renvoyer celle-là parce que j'aimerais bien qu'il passe niveau 4. Nouveau. Ah, il y a le boss là. Hein. Mais je suis pas chaud pour le faire, sérieusement. Ah, par contre, voyons voir ce qu'on peut augmenter. J'aurais bien aimé augmenter ça, mais j'en suis encore très loin. On a 94. An increasing stockpile of curious trinkets gathered from forbidden places. Non, ça m'intéresse pas. Ah. Moins 5% de dégâts, c'est pas terrible quoi. Même s'il y a de la... Il a déjà beaucoup de... Mon gesteur a beaucoup de... chances de toucher. C'est pas très utile. Tiens, faudrait que je m'en occupe ici. Même si je les emmène jamais là en fait. Ils vont toujours à l'église, je sais pas pourquoi. Je me suis concentré sur l'église. Ah bah. Plus l'église, on pourrait monter au niveau max. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je sais pas quand est-ce qu'ils déverrouilleront les autres donjons. J'espère bientôt pour pouvoir les faire. D'ailleurs, faudra refaire des groupes hein, parce que pour vaincre les boss de bas level, faudra refaire des petites équipes, je pense. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Darkest Dungeon. Allez, salut !